Eh bien, bienvenue les amis, aujourd'hui pour cette 9e édition de l'Entretien inattendu. Je vous invite à rencontrer avec moi Florence Moreau, qui nous vient d'Alsace, si j'ai bien compris, et qui est énergéticienne, médium, et qui est également passeuse d'âme. Et son travail concerne plus les femmes que les hommes, d'après ce que j'ai compris, mais elle va tout nous raconter. Bonjour Florence, bienvenue dans l'Entretien inattendu, j'espère que tu vas bien. Bonjour Philippe et bonjour à toutes et à tous. Oui, je vais bien, merci beaucoup. Alors, la première question que je pose régulièrement, tu as pu le voir sur les derniers entretiens, c'est toujours un peu la même. En quoi tu te reconnais comme une aventurière de la conscience aujourd'hui? Eh bien, c'est tout un cheminement intérieur et aventurière et aussi exploratrice, je dirais, de l'invisible. Aventurière dans le fait que, ben, à un moment donné, on lâche le connu pour aller vers l'inconnu et lâcher des carcans d'un système ou d'un monde ou de mes mondes pour explorer autre chose que ce que nous avons reçu comme éducation aussi, comme conditionnement et aventurière du fait de défaire ces conditionnements. Voilà, j'ai eu un moment, je me suis posé des questions et j'ai dit, mais c'est pas ça la vie, c'est pas ça. Donc c'est chercher un autre chemin. Il y a déjà cette première prise de conscience, en fait, et c'est important, c'est intéressant ce que tu dis à propos des conditionnements, c'est déjà prendre conscience de ces conditionnements. Oui, il y a 30 ans, moi j'ai eu un choc, j'ai perdu, mon père est décédé très brutalement. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à dire, mais c'est quoi le sens de la vie? C'est quoi? Pourquoi on est là? Il n'a pas pu aller jusqu'à la retraite. Et j'ai dit, mais il a travaillé toute sa vie durement et il n'a pas pu aller au-delà de ça. Et je me suis posé la question, mais c'est quoi le sens? Pourquoi on est là? Et ça a été le début de ma quête, parce que j'étais pas heureuse. La plupart des gens sont malheureux quand même, hein. Je voulais comprendre pourquoi cette vie-là, pourquoi j'étais triste. Et c'est là où j'ai débuté mon chemin de développement personnel. Oui, alors en quelque sorte, ça a été ton point de bascule, ça. Oui. Donc, oui, là, je me suis posé des questions. J'ai commencé à me poser des questions. Et à ce moment-là, tu t'es tourné vers quoi en premier? Qu'est-ce qui t'a attiré le plus? Alors, j'ai commencé mon développement personnel par différentes thérapies. Donc je me suis fait aider par une thérapeute, voilà, on a commencé comme ça, j'ai fait du groupe et je me suis questionnée du sens de ma tristesse. Je voulais savoir pourquoi j'étais triste tout le temps, on me disait mais t'es triste, voilà, je dis mais c'est quoi? Et donc j'ai fait des différentes thérapies. Et puis, comme je viens d'un milieu rationnel, j'ai découvert que nous ne sommes pas qu'une tête, mais nous avons des sens. Et je suis cartésienne, hein, au départ, puisque je suis comptable, un métier que je voulais pas faire, mais qu'on m'a imposé. Donc c'est là où l'aventurière, elle a dit, mais c'est pas ça que tu voulais faire. Donc j'ai fait différentes thérapies pour savoir pourquoi j'étais triste. Et c'est comme ça que j'ai découvert que j'avais des capacités. Voilà, c'était une découverte surprenante et j'ai commencé à apprendre différentes techniques et à découvrir et à déployer toutes mes capacités et mon potentiel médiumnique et énergétique. Ok, d'accord, merci. En quoi ça a donné du sens et finalement en quoi c'est important aujourd'hui pour toi qu'il y ait eu ce moment-là?
Parce que j'étais pas moi-même. J'ai répondu aux injonctions familiales, éducatives, culturelles, d'avoir un métier. Hein. Moi, j'ai pas suivi le schéma traditionnel de se marier, des enfants, le chien et la maison, parce que derrière, je savais qu'il y avait autre chose et je cherchais. Qu'il y avait d'autres réponses à ce qui nous a été inculqué comme un seul chemin, un seul chemin. Et c'est là où l'aventurière est là parce que je dis, mais ça, ce modèle-là, je suis pas si sûre qu'il rend heureux ou heureuse. Et je voulais découvrir, alors c'est un chemin parfois solitaire, hein, d'aller contre ce qui a été inculqué et invoqué. Mais pour moi, c'était vital et ça reste encore vital parce que je n'ai pas fini mon chemin. Je suis peut-être au début de cette découverte. Et oui, parce qu'à ce moment-là, on se retrouve hors des rangs, on sort du rang, en fin de compte, c'est ce qui se passe. Oui, comme tu disais, sortir de la matrice, hein, telle qu'elle a été imposée. Oui, alors ça, c'est un peu le leitmotiv de l'aventure en conscience, c'est prendre conscience de la matrice, celle du film, par exemple. Déjà, cette matrice qui est une espèce d'inconscient collectif dans lequel on voudrait absolument que tout le monde rentre, mais également prendre conscience qu'il y a une matrice personnelle qui a été construite au fil des années durant la création de notre personnalité. Et à partir du moment où on prend conscience de ça, on commence à prendre le chemin d'aventurier parce qu'on sort du rang. Et on va aller, mais en sortant du rang, on se retrouve seul. On était dans le groupe. Jusqu'à présent, on suivait le groupe, on faisait tout bien, tout comme il faut, tout ce qu'on nous a dit de faire. Mais à un moment donné, on se dit, OK, mais j'ai plus trop envie d'aller vers ça. Je me sens pas à ma place dans ce groupe-là. Et on se retrouve seul. Mais le fait de se retrouver seul, pour toi, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Je dis pas que c'est facile hein, de sortir même du clan familial hein, puisque c'est là où j'aide puisque on a été éduqué selon des principes une éducation des loyautés hein, Des croyances, voilà des des schémas préceptes. et oser s'autoriser à sortir de ce clan est complexe puisque de toute façon pour moi dans chaque famille il y a un missionné alors qui défait et qui pose les bonnes questions et qui défait tous ces principes fondés mais peut-être pas si vrais que ça et de toute façon, je pouvais pas faire autrement. Autrement, je crois que c'est la mort assurée. Et je préférais découvrir et aller dans des sentiers pas ou des voies pas tracées que rester dans un modèle où j'étais malheureuse et j'étais surtout pas consciente et je restais dans l'ignorance de ce qui pouvait être autrement. Et c'est lorsque tu parles du clan, de la famille, ça me fait penser à ce dicton, nul n'est prophète en son pays. Et parce que c'est vraiment là. Alors là, la plus grosse difficulté, finalement, on se rend tous compte de ça. On est tous confrontés souvent à ça. La plupart d'entre nous qui sommes des aventuriers ou comme toi ou comme d'autres personnes qui sont venues à l'entretien, à un moment donné, ils disent OK, mais on peut pas se mettre devant la famille et dire stop. Et attendez, regardez où on va là. Ça c'est et nul n'est prophète en son pays. Ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est que le lieu, enfin les personnes les plus proches de nous vont être les plus difficiles à convaincre. Et il va falloir passer par des chemins détournés. En tous les cas, c'est pas souvent très bien. C'est pas le verbal, c'est pas l'expression. C'est ben juste ce que l'on fait, ce que l'on est,
qui va faire qu'il peut y avoir une influence. Et cette influence verbale, cette transmission et cet échange, il va être plus à l'extérieur avec des inconnus qu'avec la famille. Oui, et il y a des deuils aussi à faire dans le fait que on peut pas changer l'autre. Bien sûr. On peut changer que soi, on peut se sauver soi-même. Et c'est dire, ok, je prends un autre chemin. Mais c'est complexe puisque on a peur de l'exclusion, hein, on a peur de se retrouver seul et on est plutôt prêt à rester dans le clan, même si ça ne convient pas, que d'en sortir et de dire, il y a autre chose, je cherche autre chose. Donc, il y a des deuils, et j'en ai eu beaucoup quand même, qui font que, non, tu peux pas, on cherche pas à te rencontrer, on cherche pas à te connaître, et c'est OK. Et puis, l'aventure, c'est de se connaître soi-même. Donc, c'est là le chemin, c'est là l'aventure. Et c'est souvent le plus difficile, c'est de mettre les deux pieds sur ce chemin et pas de garder un pied d'un côté, un pied de l'autre, pour essayer de trouver cet équilibre. C'est ce qu'on essaye tous de faire à un moment donné. Si on veut pas, on veut rester dans le groupe. Oui. Et puis un petit peu aller de l'autre côté, mais on est un peu à cheval. C'est comme si on avait un pied dans une barque et puis un pied dans l'autre barque. Et alors, c'est plus compliqué pour avancer sur l'eau. Oui, alors je pense que ça se fait progressivement et moi j'ai demandé à que ça se fasse progressivement. Pour d'autres, c'est flagrant, il y a beaucoup de ruptures. Un divorce, on perd tout, hein, on peut tout perdre. Moi j'ai demandé avec douceur, voilà, et progressivement. Donc je ne dis pas que je suis de l'autre côté de la rive. Et je lâche de plus en plus les résistances parce que on fait des fois un grand écart entre je garde le connu et j'ai peur de l'inconnu. Et arriver Oui, c'est ça. et on peut pas arriver à un moment, faut y aller quoi. Et sauf que on est attaché à du connu, donc un style de fonctionnement toujours le même dans nos mécaniques, et on ne pense pas qu'il y a autre chose. Et c'est d'aller découvrir que ça n'a rien à voir avec ce qu'on connaît, et comment on a agi, comment on a dû répondre. Tu parlais de personnalité, mais surtout de fausse personnalité. Ah oui. Hein, dans nos traits négatifs de caractère, comme je les appelle, dans la comparaison, la jalousie, l'envie, tout ça qui font que c'est pas nous, c'est pas nous. Et la découverte de l'autre côté de la rive, je pense que c'est l'essence et notre âme. Et là, il y a pas de problème. C'est un peu à la recherche de soi finalement que l'on va. Oui. Et donc aujourd'hui, après ce point de bascule, après, j'imagine, de nombreuses années de recherche et de travail, on a dit que ton travail, c'était énergéticienne. Alors, est-ce que tu peux nous en dire plus, comment ça fonctionne, comment tu fonctionnes? Alors, j'ai commencé, donc j'ai découvert le métier de magnétiseur il y a quelques années où c'est venu à moi tout seul. Et j'ai voulu, donc je me suis formée, j'ai quitté progressivement mon métier de comptable, hein, j'ai pas tout jeté, hein, il y avait besoin de sécurité, et je me suis formée, et j'ai découvert la somatothérapie, parce que le corps me paraissait une voie ou une porte d'entrée pour moi, pour libérer les mémoires corporelles. Et il y en a beaucoup, puisque tout est inscrit, notre vécu et tout ce qu'on hérite aussi du transgénérationnel et bien plus. Et le fait d'être somato, donc j'ai accompagné beaucoup par le massage, m'a permis de libérer des traumas, hein, que j'avais enfouis. Et j'ai compris d'où venait ma tristesse. Hein, puisque, et c'est pour ça que j'accompagne les femmes aussi dans le fait qu'elles se libèrent peut-être de violence physique, hein, de l'inceste aussi, de tout ce qu'elles ont emmagasiné et qui sont parfois restées inscrites. Et ce travail sur le corps m'a beaucoup aidée jusqu'au moment où les défunts sont arrivés à moi
Et c'est là où je suis devenue passeuse d'âme, donc pouvoir les aider à aller dans la lumière. Alors, je me suis fait aider par un magnétiseur hein, qui m'a coachée et qui m'a sécurisée parce que moi, j'aime faire les choses pro et pas n'importe quoi. Et voilà, donc toutes mes capacités se sont développées pour être au service et contribuer à ce que les personnes se réveillent, s'éveillent ou se réveillent de tout ce qu'elles ont vécu, subi et tout ce qu'elles ont à libérer et à développer. Ok, et tu parlais des défunts qui sont venus à toi. Donc c'est ce qui t'a permis de découvrir ta médiumnité, c'est ça? Alors, je l'avais déjà. Quand j'ai fait ma formation de somato, je voyais dans le corps. J'ai la possibilité de D'accord. voir dans le corps et faire le lien avec un événement. Mais à l'époque, je ne disais pas parce que j'avais peur qu'on me prenne pour une folle. Voilà. Donc, je dis, mais non, mais bon, voilà. Donc, j'ai expérimenté. Et donc, c'était un plus pour moi, mais j'en parlais pas. Et puis, donc, ça faisait partie de mon bagage et tout d'un coup, les défunts sont venus à ma conscience. J'ai pu les voir, relationner avec eux et les aider et aider aussi la personne qui venait me voir puisque c'est sur deux plans, puisqu'elle portait toute l'histoire aussi de la personne de ce défunt. Et voilà. Donc, c'est comme ça que ça s'est développé au fur et à mesure que j'étais prête aussi, parce que je me rappelle il y a 20 ans où j'entendais et j'ai eu peur et j'ai fermé et j'ai dit mais non moi c'est en douceur, je veux de la douceur, donc amener à ma conscience mes capacités, mais j'ai eu un passage difficile parce que j'étais beaucoup sollicitée la nuit aussi à faire passer les âmes. Donc je découvrais aussi des mondes différents, des mondes subtils et aussi des énergies pas très sympas. Oui, j'imagine, oui. Voilà, donc j'ai été testée dans ma foi de quel côté tu veux aller et j'ai choisi la lumière, bien sûr. Du côté, bah justement, du côté de la lumière, il y a la notion de sacré, de nature. Un aventurier, il passe beaucoup de temps à l'extérieur. Il passe beaucoup de temps dans la nature, par exemple, dans les montagnes, quel que soit le lieu. Et de ton côté, le sacré, ça résonne comment? Alors, c'est pour ça que j'ai déménagé. J'étais au bord de la mer et moi, j'avais besoin de terre. Donc, j'ai écouté ma nature parce que je manquais de terre. Et je suis allée, j'ai déménagé là, il y a quelques mois en Alsace. Et d'être dans les montagnes, parce que je suis en altitude, j'ai l'eau et j'ai la terre, j'ai la montagne. Donc, ça me permet de me ressourcer. Plus facilement parce que c'est à deux pas de chez moi là et de prendre ce temps. C'est pas si facile de prendre ce temps parce qu'on a été conditionné dans le fait de faire tout le temps, d'être dans le faire, dans le faire, dans le faire, et apprendre à être dans le être et simplement ralentir, s'occuper de regarder le ciel, écouter les oiseaux. C'est pas si évident que ça quand on est dans une société où il faut produire. Voilà. C'est ça. La nature nous invite à la rejoindre et la rejoindre en conscience. Et ça, c'est même quelque chose qui est difficile. Très souvent, parce qu'on est tous comme ça, on va se balader le week-end, on va dans la nature, on va, je sais pas, on va s'asseoir sur un rocher au bord d'une rivière. Et là, les pensées sont toujours là. C'est-à-dire qu'on va même pas profiter
de l'endroit où l'on est, parce qu'on va, on prof... comme tout s'arrête à ce moment-là, le mental, lui, il en profite, il dit « Ok, attention, j'arrive », et il balance les pensées. Et au final, on est soit dans le passé, soit dans le futur, mais on n'est jamais dans le présent. Ouais. Alors que si l'on prend le temps de s'asseoir, de choisir l'endroit où l'on va s'asseoir, de choisir la pierre sur laquelle on va s'asseoir, et après d'être en conscience avec tout ce qui se passe autour de nous, là, tout change. Parce qu'à ce moment-là, on est en communion, on est en union, on devient la nature. Et ce n'est pas évident, c'est ce que tu dis, parce qu'on a été éduqué dans le faire, mais pas dans l'être. Oui, et c'est reprendre tout ce chemin vers soi, dans nos besoins, dans le fait de nous écouter. On ne s'écoute pas, on écoute notre mental, comme tu dis, oui. Mais le corps, il veut autre chose. Et si on revenait à notre corps, je pense que c'est une vraie voie, un vrai cheminement, puisqu'il a les réponses. Souvent, le mental nous emmène dans des choses pas super, à l'encontre de ce qu'on a besoin. Et il y a une vraie écoute du corps qui fait que on peut ne pas se tromper. Oui. Et voilà. Donc, et la nature permet aussi de se poser, d'être dans l'instant présent. C'est ce que j'allais dire. À la différence du mental, qui est soit dans le passé, soit dans le futur, mais rarement ici et maintenant, le corps, lui, est toujours dans le présent. Et quand il s'exprime, quand on se met à l'écouter, quand on se met à l'écoute, comme tu dis, de son corps, on est ici et maintenant, on est dans la réalité. Oui, et c'est pas simple, mais c'est le chemin. Je pense que c'est le chemin pour vraiment... être à son écoute et se connaître. C'est pas simple. Comment ça pourrait devenir simple? Ben, il faut le vouloir. Je pense qu'il y a une décision à un moment donné. Il y a un choix, oui. Il y a un choix à faire. C'est est-ce que je continue droit dans le mur à m'épuiser, parce que j'ai beaucoup de femmes qui ont suivi le modèle traditionnel et qui ne voient que ça marche pas. Donc ça divorce, il y a un divorce, un deuxième divorce, voilà, il y a une rencontre, mais elles sont jamais satisfaites. En tout cas, l'humain n'est jamais satisfait parce qu'on cherche à l'extérieur. Et arriver à un moment, c'est faire le choix de dire « Ok, il y a un autre chemin. » Même si je ne sais pas comment, je choisis d'aller voir. Donc, il y a une décision. Et je pense que, ok, se faire aider, hein, c'est important. Seul, c'est compliqué, hein, seul de faire ce chemin, parce qu'on ne voit pas tout. Hein, revenir au corps, revenir à sa respiration. Voilà, à ce qu'on a en nous. Mais il y a un choix, il y a une décision et de lâcher les résistances à un moment, parce que ça fait mal quand on a trop mal, à dire ok, on lâche. Alors c'est vrai, il y a le choix. Une fois que ce choix est fait, pour ma part, je pense que ce qui va permettre d'avancer sur le chemin, c'est de prendre un engagement envers soi-même, de dire ok, il y a une prise de conscience, je fais un choix, maintenant j'y vais, je m'engage. Ah, il y a des quoi qu'il arrive, hein, quel que soit, parce que bien sûr, comme tu le disais tout à l'heure, les rencontres sont pas toutes belles. On va aller à la rencontre de l'ombre en soi, on va aller à la rencontre de ces mécanismes internes que l'on a créés dans notre enfance, qui font que ben aujourd'hui c'est tous ces mécanismes inconscients, ces programmes basés sur la peur qui nous gouvernent finalement. Donc le choix, l'engagement et après le chemin. Oui, pour revenir à ce que tu disais, l'enfant, il décide. Il prend des décisions petites pour se protéger. C'est ça. Ok. Sauf que ces décisions qui sont prises petites continuent dans notre vie d'adulte. Absolument. Et c'est changer ces décisions, parce qu'elles ont été bonnes à un moment donné, mais voilà, elles ne sont plus d'actualité aujourd'hui. Et c'est faire cette libération des décisions qui portent plus.
Voilà, c'est ça fait partie des conditionnements, parce que ce sont des décisions, des croyances, des choix que l'on a faits, mais qui étaient motivés par notre cerveau archaïque, finalement, qui, lui, Oui. son seul objectif, c'était la survie, Oui. c'était de satisfaire mes besoins primaires. Oui. Aujourd'hui, à l'âge adulte, on n'en a plus besoin. Oui. Et on a tous des exemples comme ça, de ces fonctionnements-là, qui nous embarquent, hein, tout au long de notre vie. Et puis quand on se retourne, on se dit, mince, c'est ce truc-là, ce programme-là, qui a motivé tous mes choix, toutes mes décisions, Oui. et de manière inconsciente. Oui. Et ce n'était pas ce que je voulais, finalement, pour moi. Oui. Oui, et arrivé un moment, c'est pour ça qu'on ne se connaît pas. Non. On ne se C'est vrai. connaît pas. Et c'est aller découvrir hein, qui on est réellement dans notre âme, notre essence, et défaire l'oignon. Hein, je parle souvent d'oignon. Hein, l'oignon, Oui. on l'épluche parce que c'est aller au cœur de notre être. C'est ça, je pense, la motivation. Parce qu'on est venu faire une expérience sur Terre, hein, de spirituelle, hein, c'est pas le contraire, hein, c'est incarner cette lumière dans la matière. Et je pense que c'est la quête de beaucoup de monde. Et j'espère que ça va devenir de plus en plus. Oui, je parlais avec un coach il y a quelque temps, et finalement, la mission de vie, quand on parlait de mission de vie, de sa place dans le monde, etc., etc., on réfléchissait, on se disait que finalement, la seule mission de vie que l'on a tous, c'est d'être vivant. Oui, et je pense aussi de s'aimer, Ah oui. d'amener cet amour sur Terre, hein, ou en tout cas de s'aimer, parce que je suis pas sûre qu'on s'aime tous, hein, on est conditionné, l'amour a été conditionné, et c'est s'aimer pour être libre. Absolument, Ouais. absolument, vraiment dans ce sens-là. J'aimerais parler avec toi, si tu le veux bien, pour permettre à nos auditeurs de bah, peut-être d'avancer aussi, eux aussi, d'aller vers ce point de bascule dont tu as parlé, dont tous les intervenants parlent souvent dans l'entretien inattendu. Quel serait le premier message, le premier geste à faire? Selon toi. Observer, s'observer dans nos mécaniques, observer, s'observer parce que, et observer nos pensées. Souvent je dis des pensées pourries, mais c'est absolument ça parce qu'elles ne nous amènent pas là où on voudrait aller. Donc c'est s'observer, ne pas se juger. On fait du mieux qu'on peut aussi hein, avec notre bagage. Avec bienveillance. Oui. S'observer avec bienveillance. Oui, mais observer nos mécanismes et dire non, ça j'en veux pas. Donc déjà s'observer, c'est important pour mettre de la conscience. Est-ce que tu parles ce que j'appelle les saboteurs intérieurs? Qu'on entend là, ceux qui disent non, tu ne vas pas y arriver, tu n'es pas assez forte, qui nous dévalorisent, qui nous font rester sur place finalement. Oui, et puis qui nous font faire des actes. Ah oui. Contre nous-mêmes. Donc oui, s'observer dans nos mécanismes hein, pour vraiment dire stop, stop à ça, stop, c'est pas ça que je veux. Hein, donc c'est l'observation, le stop à toutes ces pensées négatives pour commencer à transformer. Et puis voir ce mécanisme, comment il faut, voilà, voir comment fonctionne ce mécanisme, comment il se met en place. Parce qu'à partir du moment où on a perçu le mécanisme se mettre en route, mais à partir de là, on peut le stopper. On Oui. peut passer en quelque sorte d'un mode automatique à un mode adaptatif. Oui, complètement. De la mécanique, hein, passer de Oui. la mécanique à la conscience, hein, de l'ignorance À la à la conscience. Ah. conscience. Ok, Parce oui. qu'on reste des ignorants jusqu'au moment où on dit, attends, il y a quelque chose qui ne va pas, donc je peux changer. Je crois que je ne peux pas changer, mais je peux changer. Oui, et puis peut-être rappeler aussi que le changement,
n'est pas douloureux. C'est la résistance au changement qu'il Complètement, complètement. Plus on résiste, plus on a mal. est. Moi, le corps, il dit, et le corps, il est un bon indicateur. Ah oui, complètement, oui. Donc, c'est se servir de ce corps pour dire, bah, non, stop, c'est pas ça que je veux. Je veux être plus sereine, plus joyeuse, plus aimante, voilà, plus libre. Et oui, et très souvent, mais on attend que le signal, c'est la notion de seuil, hein, c'est vraiment, il faut arriver à un seuil. On va résister, résister, résister jusqu'à ce qu'à un moment donné, puisqu'on n'a pas entendu, ben, le corps, il nous le montre, hein, il nous le dit. Oui, et du coup, on passe par la maladie. Voilà, on va jusque-là. Donc, maladie grave ou la mort. Bon, la maladie, C'est le signal qui dit attention, là c'est OK, tu t'arrêtes maintenant, tu vas plus loin. donc se servir de la maladie comme un tremplin pour changer. C'est quand même mal perçu. Le changement. Bien Si on sûr. change, c'est compliqué. C'est compliqué. Donc, souvent, le corps, il amène à la maladie pour dire, là, c'est toléré. C'est toléré dans notre société d'être malade. Parce que si je change correctement, dans un processus normal, là, je suis pointée du doigt. Mais si je passe par la maladie, là, c'est plus toléré. Donc, accessible. C'est comme ça que je le vois, hein, aussi. Mais c'est vrai, c'est vrai. Et c'est puis en plus la maladie, elle vient de l'extérieur. C'est quelque chose qui c'est pas. On n'est pas responsable. Enfin, en tous les cas, c'est ce qu'on a voulu nous faire croire qu'on n'était pas responsable de la maladie. Oui, mais tout est écrit, hein, tout est Oui. inscrit. Donc, je pense que la maladie est un tremplin et une belle occasion de transformation. Je ne dis pas que c'est facile, mais c'est un bon moyen de se poser les bonnes questions. C'est ça, c'est ça. Complètement. Qu'est-ce que je voulais te poser comme question? S'il y avait un message vraiment fondamental pour toi, pour tout le monde, ça serait quoi? Ben arriver à un moment, c'est de se choisir. Ok. De se Ouais. choisir. Alors, ça veut Ouais. dire quoi de se choisir? Ben, c'est que j'ai, et puis je pense qu'on est beaucoup à avoir fonctionné à l'extérieur, plaire à l'autre, fonctionner pour avoir de la reconnaissance, et on a tous fait ça, ou de l'amour. Ça marche pas. Et arriver à un moment, c'est se recentrer sur soi, dire, OK, qu'est-ce que je veux, qui je suis, qu'est-ce que je veux manifester, comment je veux contribuer Au monde. au monde, et c'est faire un retour à soi. C'est pas simple, c'est pas simple, mais pour moi, c'est ce qu'on est venu faire. C'est ça, Notre hein, c'est normal. âme, elle a fait ce choix de s'incarner. Alors, accepter l'incarnation, c'est aussi tout un chemin. Elle a décidé de faire cette expérience pour quelque chose, pour son évolution. On peut passer à côté et revenir, hein, ça c'est OK. Mais plus ça va, je pense, plus on est là à certains à vouloir se réveiller, hein, et d'amener autre chose, puisqu'on est dans un cycle récurrent, hein, on fait toujours la même chose. Et je pense qu'arrive un moment, on est là pour impulser autre chose. Donc, c'est se poser les bonnes questions et dire, mais qui je suis? Je ne me connais pas et je veux aller à la rencontre de mon essence et de mon âme, parce que je suis là pour ça, puisque je suis un être spirituel avant tout. Donc, et c'est ça la beauté du chemin, se connaître. Se connaître, c'est ça. Et l'âme, elle a décidé que. Alors, elle est spirituelle, c'est ce que tu disais tout à l'heure. On est des êtres spirituels
qui viennent s'incarner dans la matière pour donner de la spiritualité, pour rendre la spiritualité. Et il y a une urgence aujourd'hui, à mon sens, parce que effectivement, comme tu le dis, on peut rater la marche, c'est-à-dire que on peut revenir et puis sans cesse revenir. La vie, elle nous ramène les leçons, hein. Tant qu'on les a pas apprises, elle nous les représente. C'est ça qui est génial. Tant qu'on n'a pas appris une leçon, elle va nous la remettre sous le nez, devant nous, sur le chemin, pour nous dire, là, c'est ça qu'il faut que tu regardes, et c'est ça qu'il faut que tu apprennes. Mais il y a une urgence aujourd'hui, parce que on parlait de contribuer au monde tout à l'heure. Et le monde a vraiment besoin d'être comme toi, qui permettent ces prises de conscience, qui permettent à la fois de guérir, de faire ce passage, que ce soit un passage d'âme ou un passage d'une vie à l'autre dans la même vie, ce passage de changement. Beaucoup d'entre nous, on perçoive cette nécessité de changement, mais il y a plein de choses qui bloquent. Il y a encore des barrières et finalement, on n'avance pas, on n'y va pas parce que ça résiste, parce que on est dans notre zone de confort et que finalement, à la fois, elle est suffisamment confortable, mais pas encore assez. Et on n'a pas cette capacité à élargir cette zone de confort. J'aime bien l'idée de ne pas forcément sortir de la zone de confort, mais l'élargir, parce que le changement, il est confortable. Et il va l'être de plus en plus. Oui. Alors, on passe par des étapes, hein. Bien sûr. Il y a aussi cette notion que nous avons donné notre pouvoir à l'extérieur. On s'est démuni de notre force et de notre puissance. Et on a beaucoup d'attentes extérieures. Et tant qu'on est dans cette attente, on est souvent malheureux, puisque les retours ne sont pas à la hauteur de nos attentes. Et c'est reprendre notre puissance. Alors, c'est pas une prise de pouvoir, hein. Moi, je fais une distinction entre pouvoir et puissance. Parce qu'on a peur, hein, on a peur de oui, notre puissance, bien sûr. Parce qu'on l'apparente à prise de pouvoir sur l'autre. Non, non, c'est retrouver notre puissance intérieure. Voilà, et on a remis notre pouvoir à l'extérieur, on a tous fait ça, jusqu'à un moment on va dire mais je suis pas bien, je suis malheureuse, je suis insatisfaite, et retrouver qu'on a la capacité d'agir par soi-même, mais on a été démunis, on a été frustrés, on a été souvent coupés dans nos élans, dans notre créativité. Dans notre imaginaire, hein, petit, on nous a quand même bien, bien cassé, hein. Et du coup, on a peur. On est des êtres humains bourrés de peur. Et on n'ose pas. On n'ose pas faire différemment. On n'ose pas sortir. On n'ose pas. Et c'est reprendre ce chemin-là. Nous sommes uniques, mais tous différents dans ce qu'on peut apporter au monde, notre couleur, on a chacun notre couleur, et c'est retrouver ça, notre souveraineté, et on a perdu parce qu'on a donné à l'autre ce pouvoir, et à la société, au gouvernement, oui, bien sûr. Et aujourd'hui, alors oui, il y a peut-être une urgence, mais plus on est contracté là, on est dans une contraction, plus on va vouloir sortir de cette contraction. Donc peut-être que c'est les temps comme ça, hein. On a choisi de s'incarner à cette période-là pour vivre ça. C'est quand même complexe et ça va encore certainement le devenir. Mais pour qu'on se secoue et dire « Eh oh, il y a autre chose, il y a autre chose. La vie, c'est pas ça, c'est pas ce qu'on voit. » Et je pense que on nous donne un certain modèle, et nos ancêtres ont vécu, hein, on est encore soumis aux guerres, hein. Je vois l'impact des guerres 39-45 mais 14-18 aussi sur la descendance, sur ce que les Ah femmes oui, portent aujourd'hui. Donc mais on oui. N'a pas fini, on répète les mêmes histoires. J'ai été étonnée, je dis mais on est encore là. On en est encore là, alors bon, ça m'a un peu attristée, mais je dis, ok, on est encore dans ces cycles.
Et c'est sortir de ces cycles répétitifs, C'est dans ces lois de exactement ça, ouais. récurrence, dans ce karma de récurrence. Et c'est là où j'apporte ma contribution de défaire ces cycles pour les femmes, voilà, et dire mais non, s'affranchir de tout ces lignées de souffrance, ce vécu d'esclavage. Oui, parce qu'on est quand même esclave d'un système. Et donc voilà, donc chacun fait le choix d'y aller ou pas. Okay. La première chose, c'est la prise de conscience des conditionnements, de ce qu'il y a derrière nous, de ce que l'on porte. Et à partir du moment où on fait le choix, où on prend la décision d'aller sur le chemin et de s'en séparer, eh bien c'est là que commence l'aventure. Oui. Et l'incarnation, hein, le choix de s'incarner, nous a fait oublier qu'on était quand même des êtres spirituels et reliés à la source. Hein, et on nous fait oublier, hein, en ce moment, qu'on est des êtres spirituels. Hein, Ah, mais bien sûr. Tu parlais et de la on n'est que matériel, on n'est que matériel, il faut posséder. Non, on est avant tout des êtres spirituels. Et c'est ça, c'est se souvenir de ça et d'arrêter de croire qu'on est séparé de la source. Et pour moi, c'est le chemin. On n'est pas Absolument. seul, on n'est pas seul. Il y a du monde, hein, autour de nous. Après, pour ceux qui croient ou pas, hein, voilà, il y a chacun a sa religion, et c'est même pas de la religion, c'est la spiritualité. Chacun ses convictions, mais c'est pour se réveiller et reconnaître qu'on n'est plus séparé de la source. C'est ça, complètement. Qu'il n'y a pas de séparation. Oui. Et donc, pour certains, ça va se faire. Pour d'autres, ils vont pas pouvoir et c'est OK. Ils vont certainement partir. Tout est écrit. Donc, à nous de changer notre monde intérieur. Je pense que chaque individu, c'est par là où on doit commencer. Absolument. À l'intérieur de soi. Et au lieu de l'aventurier, au lieu de partir à l'extérieur, le chemin, il n'est pas vers l'extérieur, il est à l'intérieur. C'est vraiment la notion de partir en soi, oui, en voyage, à l'aventure. Oui. De faire son expérience, d'aller à la rencontre, ce que tu disais tout à l'heure, de qui l'on est vraiment, c'est-à-dire relié à la source, qu'il n'y a pas de séparation avec ni le monde, ni l'autre, et qu'on est tous là pour la même et unique raison. Alors, allons-y, quoi. Oui, c'est une belle aventure. C'est une belle aventure, bon, parfois chaotique, mais c'est une belle aventure. Mais en tous les cas, merci infiniment, Florence. Le mot de la fin, même s'il n'y a pas de fin, je te laisse le... Ce qui me venait, c'est aimez-vous. Aimez-vous. Oui, ah oui, complètement. Aimez-vous, apprenez à être, apprenez l'amour de soi pour pouvoir aimer l'autre. Ça oui. commence par soi. Oui. Là, on pourrait relancer tout le débat. On devrait faire. Et quand tu parlais de peur tout à l'heure, c'était intéressant. Je repensais à ce qui est dit dans, je crois, Communication avec Dieu de Neil Donald Walsh, où il y a deux énergies qui gouvernent le monde, la peur et l'amour. Oui. J'aime beaucoup utiliser cette métaphore-là. Et l'idée aussi que là, aujourd'hui, c'est facile à voir. Qu'est-ce qui gouverne? C'est très simple. Mais au quotidien, observer nos comportements, nos décisions, nos choix, et juste observer qu'est-ce qui gouverne ça? L'amour ou la peur? Oui. Oui, tout à fait. Et c'est une belle, un bon moyen de changer. Voilà, donc.
Eh bien, merci beaucoup. Alors, vous avez tous les éléments qui concernent Florence, si vous voulez la rencontrer, si vous voulez aller faire un soin avec elle, sous la vidéo, site internet, lien, etc. Et en tous les cas, on vous remercie infiniment pour votre attention, pour votre écoute. On vous embrasse et à très bientôt dans un prochain entretien inattendu. Merci Philippe Au et revoir, merci à Florence. tous.